Oui, je démarre. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors, il faut pas que je me loupe. On va faire un jeu qu'on n'a pas fait depuis longtemps, qui est Fallout Shelter. Et derrière, j'enchaînerai avec de l'évasion de prison, The Escapist, où je vous avouerai que j'ai pas élaboré le moindre plan. Mais il va falloir que j'improvise. Aïe aïe aïe, ça promet d'être marrant. L'essentiel étant que j'espère que vous alliez bien. Mais non, je suis bête, je suis pas dans le bon plan, moi. Oh, je pense que je peux. Attendez. Capture d'écran, ouais. Ouais, alors il y a l'effet Inception, mais si je fais pas mon idiot. Ah, par contre, je sais pas si vous voyez tout, 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 tout. C'est pas dit. C'est pas mal. Il est vrai que vous voyez pas tout, mais c'est pas mal. Parce que si je fais capture de jeu, c'est toujours une découverte ce genre d'événement. Est-ce que. Ah, si, c'est pas mal du tout. Mais. Ah, du coup, ça fait. On voit que c'est un jeu en 16 neuvième, pas en 4 tiers. Donc, du coup, ça fait un peu petit. On va faire avec les moyens du bord. Bon, de toute façon, je pense que grand maximum, je reste 1 heure sur le jeu. Le chat, faut que je voie le chat. Ah bah bravo, on commence avec la célèbre citation d'Arletty. Pas mal ça. Avec un peu de chance, vous les voyez pas, c'est un peu gênant. Des Discord, ce qui est dingue, c'est le serveur, je ne suis pas tout le monde. Donc même les intervenants, j'ai tout le monde. Voilà, excepté la chance, mon ninja il a toutes les stats à fond. Une scène. Mince, j'ai perdu la personne. Ah oui, non, ça va, je suis en train de voir que vous voyez pas les notifications. De gérer les talents de mes. Merdome. Ah, j'ai pas de charisme. Ah, si, c'est à côté. Je le fiche à côté, lui. Oula. Il y a des trucs qui sont chiants avec le jeu. Au niveau de l'interface, c'est des événements qui se superposent et parfois on perd la main, ce qui peut être extrêmement frustrant pour le joueur. Donc on perd bêtement des persos alors qu'on a véritablement cliqué là où il fallait. Mais c'est juste qu'il y avait un autre événement au même moment qui s'est superposé comme un calque et votre action vous a refusé. Et ça, c'est vraiment frustrant.
Alors, les missions, j'en suis où moi? Ah ouais, j'ai une course, une tenue, un compte rendu. Oui, je pense que ça va peut-être durer une petite heure, mon. Il va falloir une shelter. Non, il y a une tenue qui est faite là. L'atelier des armes. Ah, j'ai plus rien eu en tout court. Oh la vache, il est violent le Myrve. Ah bah oui, fais-en moins. L'arme de la violence. Allez, on commence par la, ouais, course aux tenues. Merde, faut pas que je zappe le chat, sinon je vous. Oui, c'est vrai, bonne convention à toi, mon cher Tunsen. Oui, c'est vrai que c'est ta grosse journée. Ouais, j'espère que tu vas pouvoir en profiter. Puis que vous ayez le beau temps. Ça aide quand même. Que ce soit respirable, qu'il fasse pas trop chaud aussi. Enfin bref, le top du top quoi. Bon, je me suis ôté mon café au lait parce que depuis ce matin j'en ai bu qu'une gorgée. Je suis en radiation, personne ne va m'enfouir. Ah mince! Je pensais qu'en faisant le mouvement, j'aurais le droit de sélectionner le. Voilà. Le jeu me l'a refusé. Du coup, je sais même plus si vous entendez la musique. De fond, musique libre. Là. Un peu de bric-à-brac comme on l'appelle pour pouvoir faire des. Après on a soit des tenues, soit des armes. Ça, c'est important aussi. Vache le jeu de réflexe. Oh! Bonjour Phobos! J'espère que tu vas bien. Alors que je suis concentré. Oh! 2x60 la puissance maximale. Eh ben je suis superbement concentré. Mieux que le lait un samedi matin. Oh là là, ça faisait longtemps que j'avais pas enchaîné deux tirs de stage par terre. Oh ça fait plaisir. Mais au niveau des scènes, il faudra à mon avis que je parte sur une variante de ma toute récente scène Minecraft en 16/9 pour les autres jeux 16/9. Parce que là, évidemment, vous avez du vide en haut et en bas, du coup, ça vous fait un petit écran.
Il faudra que j'en bosse ça prochainement. Peut-être que je le ferai ce week-end d'ailleurs. Parce que... Alors, par rapport au week-end habituel, là je vais arrêter vers midi à émettre. J'en profite pour me faire une petite course et puis paisiblement déjeuner. Je devrais reprendre à partir de 14h jusqu'à 18h. Et non pas 21h pour faire relais à Femka. Puisque je ferai relais à l'ami Bambastos tout à l'heure à 18h. Et du coup, bah, ça me laissera pas mal de temps en soirée pour la régie. En grand amoureux du sport automobile, comme vous le savez, la plupart d'entre vous, je ne vous cache pas non plus que je me regardais en parallèle les 24 heures du Mans. C'est le week-end des 24 heures du Mans, et moi en général, ce week-end-là, il est sacro-saint. Je ne loupe rien des courses d'endurance. Alors, déjà que j'ai épuisé à 15 jours de suivre les 24 heures du Nürburgring en Allemagne extra. Ce qui m'empêchera pas en même temps aussi de bosser dans la coulisse. Donc du coup, comme vous le voyez, comme je vous l'annonce, le tableau mystère, on se le fera à 17h45. Et pour aujourd'hui, hein, demain ce sera normal, ce sera vous Alors attendez, je suis concentré dans le jeu tout en vous faisant la causette. Oui, demain ce sera. Alors, dans le programme, donc là, c'est du Fallout Shelter. Après, j'enchaîne sur The Escapist et une tentative d'évasion de prison. Donc, j'ai très rigolo. L'après-midi, à partir de 14h, je ferai, je pense, exclusivement que du Tomb Raider avec Lara Croft en Égypte, le Tomb Raider 4. Si je tourne vraiment en rond et que je suis à pas avancer sur les 4 heures, c'est-à-dire les 14h, 18h, éventuellement en roue de secours, je ferai Donjons et Dragons, là, c'est pas le bon nom. Vous savez, le FPS avec les gargouilles. Hérétique, voilà. Où je démarrais le cinquième épisode. Demain, idéalement, je prends l'antenne dès 9h, mais. Devoir électoral législatif, mon humble avis, je prendrai plutôt l'antenne à partir de 10h demain. Jusqu'à je sais plus quelle heure, peut-être jusqu'à midi aussi en fait, parce que FunFan là cette fois-ci prendra son antenne demain de midi à 15h. Et bah évidemment, le dimanche matin avec moi c'est du Final Fantasy XIII en ce moment. Oserais-je dire, et pour longtemps. Et l'après-midi, bah j'ai envie de dire 24 heures du Mans oblige et puis que ça me démange. J'en ai même pas fait hors antenne depuis. Grand Turismo 4, le dimanche après-midi sur mon antenne. Voilà. Donc, je pense que de 15h jusqu'à 20h de boîte. Mais ce qui n'exclut pas des jeux en commun. Souvenez-vous que la dernière fois, on a improvisé lors d'une appel du Minecraft du Golf Galore et du le Tetris en multijoueur là, avec les magiciens. J'ai du mal. Tricky Towers, pardon. Il m'en met plein les fouilles, il n'y a personne dans la pièce. J'ai terminé la course haute tenue. Alors n'oubliez pas qu'il y a une deuxième mission qui m'attend après celle-ci. Donc ouais, à mon avis, je suis parti pour basculer sur The Escapist à 10h. Pas mal. Ouh, derrière ce point. Oh les belles bêtes. Ils font du beau. D'ailleurs, en biologie, en vrai, normalement le scorpion est l'une des créatures qui résisterait le mieux
à des cataclysmes, etc., et qui devrait avoir, pas, enfin, je ne parle pas de la longévité par spécimen, mais de l'espèce en elle-même de manière générale. Ça, et puis la petite créature quasiment immortelle dont je ne retiens jamais le nom, qui continue d'intriguer les scientifiques. Eh ben voilà, j'ai nettoyé proprement le bâtiment, dis donc. Belle récolte de tenue. Oh là là, que des trucs en or, trop bien. On va regérer un petit coup l'abri entre-temps pour se lancer dans la deuxième mission juste après. Ouais, ils reviennent dans 29 minutes là-bas. Avec un peu de chance, je vais les réceptionner à la sortie de la deuxième mission. Il y a toujours des points faibles dans mon abri, c'est assez. Le reste, c'est l'abondance pour la pomme, la bouche et les objets. Alors, l'électricité, je reconnais que je peine. Se font irradier les malheureux. Aïe aïe aïe. Ah, trop de rouge. Ah, je pourrais difficilement faire mieux. Allez, deuxième mission. J'aime bien le nom du titre, Cyberlove. Oula. Oh, les maboules Gary Gary. Oh là là. Aïe 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 aïe. Je suis tombé dans un abri asile de fous là. Pardon, je viens de donner une tape avec mes ongles. Ah, les raptors, c'est les ennemis les plus faciles à pas faire. Là. Ah oui, je me disais aussi, il y avait un truc qui était au sol, j'y avais pas accès avec ce point de caméra. Excellent! Oh, le matos! Ah, des autres guerriers.
Je vais vous faire de la pub pour l'ami Aerostar. Ah oui, non, je peux pas faire ça, pardon, ça vous zappe la caméra. Aero qui a voulu honorer deux paris en un, on va dire. C'était des paliers de donations qui ont été atteints lorsqu'il faisait la soirée caritative Téléthon. Alors pour ceux qui ne savent pas, je rappelle qu'Aero est un show. Et il a accepté de faire un direct. Alors il a choisi le jeu 60 secondes là. Qui est un peu dans l'atmosphère de Fallout justement. Faut gérer une famille dans son bunker perso. C'est terrible mais c'est très américain. Bref. Et le défi de parler en anglais pendant 3 heures lors du direct, c'était pas triste. Et ah oui tiens, faut que je fasse mon choix là entre ce que je veux prendre le bric-à-brac, voilà. Et porter une perruque pendant les 3 heures, alors là il y a eu très chaud, et il a choisi une perruque mulet blond, très drôle. Donc pour ceux qui veulent voir sur le ralenti sur sa chaîne Twitch, là je pense qu'il y est encore pour 10 jours. Ça, ne serait-ce que voir le coup d'œil, ça le vaut. Et si vous en avez le courage, voir les 3 heures de long. Parce que évidemment tout le monde l'a taquiné heure après heure. Et moi je vous cache pas que je me suis fendu la poire du début à la fin. J'ai même gratifié notre pauvre Aero d'un petit dessin parodique en danseur disco sur son Discord avec les filles qui m'ont inspiré. Je trouve que l'idée est excellente, ça, et puis l'idée de Aero qui s'est fait surnommer MacGyver pour ceux qui connaissent la vieille série. Mince, j'ai pu me dire. Je finissais par imaginer une parodie complète avec la distribution des rôles dans la communauté d'Aero. J'en pouvais plus. Franchement, vers la fin du... Même au bout de 2 heures, avant la troisième et dernière heure, je me souviens que dès 2 heures de direct d'Aero comme ça, je commençais vraiment à avoir mal au ventre parce que j'arrêtais pas de me gosser et de me tordre de rire. C'était génial. Bref, je vous recommande évidemment sa chaîne de manière générale et l'émission-là, franchement, les collectors. J'hésite même d'ailleurs à... Je me demande si je vais pas astucieusement... l'enregistrer lors d'une de mes absences en semaine, comme ça dure 3 heures, il y a moyen à ce que je me capture. Je trouve honnêtement que j'avais envie de l'archiver. Non, franchement, la rigolade. Basculer sur The Escapist. Ah oui, il n'y a plus rien. Ouais, non, mais j'ai rincé leur abri à eux, là, les Gary. Bonjour, Erika. J'espère que tu vas bien. Bonjour. Voilà pour ceux qui veulent l'info. Hop là. Voilà. Donc c'est lorsqu'il avait fait le jeu 60 secondes. Ah non, du coup les autres sont... Ah oui, 20 minutes, ils sont pas encore. Ouais, ça va, c'est cool. Ouais, moi ça va, merci. Par contre, j'ai un petit peu du mal ce matin à démarrer. Généralement, j'ai pas de soucis au réveil.
Mais non, c'était parce que j'ai assez mal dormi. J'ai dormi avec la fenêtre ouverte, mais les volets fermés, histoire d'aérer, de pas avoir quelque chose sur lui. Le problème, c'est que j'ai fait ça à la façade rue. Et il y a eu un peu de grabuge durant la nuit. Donc, j'ai pas fait une nuit en une seule fois, quoi. Donc, je pourrais être mieux reposé. Mais c'est pas grave, hein, c'est anecdotique. C'est juste que je fais moins frais, là, par rapport à d'habitude. Bon, allez, on va se contenter de ça, c'était bien. Bienvenue au club, bah toi aussi. Bon, bah alors voilà. Et encore, je sais pas quelle température vous avez sur Québec en ce moment, Erika, mais. Chez vous, c'est plus les extrêmes qu'en France. Chez vous, faites du moins 40 l'hiver et du 40 l'été. Donc, Ah, mise à jour. Non, 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 non. Je ferai la mise à jour à la pause déjeuner. Ah! Fille zombie, ouais, t'es bon. Eh ben, courage avec ça. alors, attendez. Vous avez gagné le droit de voir ma tronche en plein écran. Le temps que je change les rubriques, là, on va passer à The Escapist. Alors, est-ce qu'en 2 heures, je vais réussir ma première évasion? Je vous avouerai qu'en mon âme et conscience, je pars honteusement pessimiste. Mais bon, je peux peut-être avoir des bonnes surprises et me transcender. On va voir. Attendez, je change la catégorie, puis je vais lancer le jeu. Bon. Ah mince, c'est pas le bon escapiste. Oui, c'est bizarre, parfois il y a des doublons dans les rubriques Twitch. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je me suis lancé en double, le truc à pas faire. Oh mon dieu. Ah, je suis obligé d'attendre que ça charge parce que je vais avoir le son comme un gros niveau. Hop là. Alors, voilà. Attendez que je vous lise dans le chat. Il pleut à plus finir. Ah ouais! Ah, t'as la flotte toi, de ton côté. Moi, j'ai la chance d'avoir un beau ciel bleu. 2-3 nuages, le temps vraiment idéal. Et puis, qu'à espérer qu'il fasse pas trop lourd, mais je vais le voir tout à l'heure. Comme je vais aller m'acheter 2-3 bricoles, dont des pains à me faire cuire au four. Là, j'en ai très envie. Je vais vérifier ça entre 12h et midi quand... 12h et midi, bravo! 12h et midi, un concept! Le mec, il fait sa course éclair en 59 secondes. Bon repos à toi, Erika, bon week-end! Oui, tu leur qu'il n'y a pas de soucis, gros bisous, merci d'être passé. Oui, je verrai s'il fait lourd quand je mettrai mon pif dehors tout à l'heure. Et je vous aurai fait un relais de chaîne vers midi. Donc le jeu, il est où? Où qu'il est, sort de ta planque le jeu. Oh mon dieu, le champ recherche, il est là. Alors, The Escapist. Oui, je crois que j'étais en mode. En mode. Écran. Attendez que je regarde. Ah oh, non, mince, j'ai pas le bon plan. Je recommence mes âneries, moi. Attendez voir, si je fais pas mon idiot, que je commence à le faire et c'est pas cool. À moi qui veux que je joue comme ça. Ah, il veut pas le salopard. Merde. Ah si. Il y avait un délai de. Ça y est, vous allez avoir le signal. Ouais, ça m'a l'air d'être correct. Oui, surtout que vous avez même plus que moi, parce que moi je me mange ma barre d'état. La barre de tâche en bas, d'écran, je suis en train de vérifier. Ouais, c'est bien. Vous avez quasiment sans déconner, à quelques pixels près, vous avez l'intégralité. Ok. Il faut que je voie le chat. Si j'ai pas mon utilité de chat, je pourrais pas vous faire la causette. Et là, c'est le drame. 22 jours que je suis en tôle déjà. Mais c'est horrible. Vous allez voir que je vais y rester un mois.
Alors, première mission, déjà se rappeler du rituel de la journée. Oui, bonjour, propose. Ah non, t'as voulu dire bonjour à quelqu'un d'autre. Je devine. Alors ça me fait rager dans les bugs Twitch. C'est, vous voulez quelqu'un dans le chat avec son pseudo préfixé par arrobase. Et en fait, Twitch vous balance par défaut à tort, le diffuseur. Et j'étais encore en confusion hier soir quand j'étais chez Monsieur Poupon. James et Julien, ouais, c'est bien, c'est pas moi. Pourquoi? Comme ça, il n'y a pas quand t'annonces. Ah, quelqu'un s'est enfui et vite revenu. Ils ont des répliques dans le jeu, c'est extra. Attendez, je vais prendre mon extraordinaire Nostromo, petit clavier à une main, qui normalement est configuré pour The Escapist. Donc je devrais être plus performant. Préparer mon évasion. Voilà. Je serais tenté, si vous, ça vous change pas, de recaler mon. Merde, je sais plus comment ça se voit. De recaler mon. Ah, je peux pas en fait. Attendez. Ah, je peux pas dire déplacer la fenêtre. Merde. Ah, parce que j'ai un petit peu l'embarronné le texte de moitié. Petit déjeuner avec l'heure et jour 22. Ça reste encore lisible, mais. Ah, c'est ballot. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Faut surtout que je me réhabitue à jouer. Je vois que tu m'as écrit Frobose. J'étais en train de cuisiner une salade de carottes et avant j'étais sur la direction Twitch de notre petit quart d'heure. Et me wali walou. Oui, non, mais t'as bien raison. Merde, il va me voir le gardien. Mince, je déplace le bureau du code. Ah, je sais même plus, attends, mais hey, même moi je sais plus ce que j'ai. Ah oui, non, mais j'ai des trucs interdits là. Oula! J'ai la clé des utilitaires en plastoc. J'ai dû patater un. Je vais me diriger. J'ai dû patater un gardien. Alors le fait que j'arrive pas à me diriger, ça va être la catastrophe. Oh là, il y a de la terre. Ah oui, il y en a qui tentent vraiment de s'évader. Merde. Ah, j'ai tous les matons en même temps. Aïe 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 aïe. D'ailleurs, je vais être dans la mouise parce que la période de boulot, j'ai un portique de contrôle. Faut surtout pas que j'ai mes trucs en plastoc fondu. Attendez, 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 attendez. Parce que je vais me faire avoir comme un bleu. Je vais déposer mes trucs là en attendant. De toute façon, je suis pas censé les finir. Oh là là, il y en a encore un qui a de la tête. Alors la terre, il faut pas la toucher, même si c'est chez quelqu'un d'autre. Parce que dans ma première saison, je me faisais avoir comme un bleu, j'adorais foutre le boxon dans ma prison. Je prenais la terre et je la balançais quelque part dans ma prison. Le problème, c'est que de l'avoir manipulé, entre guillemets, on a des traces de terre et on est condamné coupable. Donc c'est l'isolement pendant plusieurs jours. C'est l'horreur. Ça y est, ça se bastonne. Ah, il se patate à l'heure du déjeuner. Inspecter mon lieu de travail. Alors, non, c'est du propre, je suis bête, c'est du lave. Du sale qu'il faut que je lave. Ah oui, mais non, mais. Ah oui, mais non, et. Oh là, mais non, mais je suis obligé de le faire ouvrir le clavier en fait, parce que. J'ai pas les touches pour le.
j'aurais pas le rythme de boulot là, ça va pas. Ouais, il faudra que je revoie, que je repense mon... mes touches d'escapiste. Oui, j'en ai pris un trop, mais bon, tant pis. Normalement, il suffit de faire vite new à laver et mon quota est fait. Eh ben, j'aurais tenu de prête pour demain, c'est juste qu'elle va pourrir dans 3 jours, 24 heures. Voilà, c'est merveilleux. Le reste du temps, je suis libre, chic. Je vais faire les cellules du haut. Oh, j'aimerais bien avoir une recette. On peut en trouver dans les bureaux de certains. Ah, oh, briquet, c'est intéressant quand on veut faire du plastoc fondu. C'est pas si souvent que ça qu'il y a des briquets. Si je peux les cumuler, c'est pas nous. Merde, il m'a pas vu. Donc je regarde mes stats aussi. Oh, la clé utilitaire en plastoc. Et je repère les utilitaires. Alors attendez. Ah, je suis presque à fond. Force intelligence. Bah, intelligence, c'est l'internet. Donc, c'est le fait de retrouver ma superbe. Ah, bah, perdre le sport. L'enchaînement parfait. L'enchaînement parfait. Laissez-moi des haltères, bande de sagouins. On peut se montrer sur les. Ah non, il peut être habillé. Finalement, jouer au grand clavier. Erreur de ma part. Je veux des résultats. Ah, il y en a qui veulent se faire une variante en sport là. Comment qu'il s'est fait passer ? Bah, change de main parce que ça fait mal aux doigts. Mais oui, je suis en tôle, mon cher Phobos. Mais ce jeu, je ne suis jamais parvenu à m'évader une seule fois. Je pense qu'il y en a qui font des speedruns, là en plus c'est la prison la plus facile de la perte. Justement c'est une parodie par rapport au club de vacances. Mais je suis quasiment épuisé, là j'étais à 80 de... Ah voilà, il m'a suivi la vitesse et j'ai les stats à fond, c'est énorme. Il y en a qui arrivent à tracer en une demi-heure, ils s'évadent si c'est pas 10 minutes. Dans le jeu, mais bon. Non, moi je suis nul. Mais je ne désespère pas. Je vais réussir une invasion un jour. Promis, je serai en direct avec vous. Obligé. L'heure du dîner, oui. Alors c'est bien, l'heure du dîner va me laisser le temps de la réflexion. Il faut que j'échafaude un plan. J'ai pas de plan d'évasion. J'ai la chance d'avoir la clé utilitaire, ce qui est énorme, déjà. Mais... bah on verra, oui, après si j'arrive à enchaîner les évasions, peut-être. Bah, quand j'aurai fini de m'évader de cette prison-là, je ferai le niveau au-dessus, niveau assez facile dans une autre prison. Et je la découvrirai avec vous, hein. J'ai fait que ce... que ça. Hein. J'ai fait que cette prison-là depuis le début. Même quand je diffusais pas sur Twitch, là, que je faisais ça il y a encore 2-3 ans. Ah, un peu d'air libre. Je veux m'évader, au secours. Oh, il y a différentes manières de s'évader. Alors, vous pouvez vous évader. Alors, la plus classe, mais la plus longue, bah, c'est de creuser un tunnel en sous-sol. Et de se barrer comme ça, mais c'est dur, c'est vraiment dur parce qu'on ne peut pas creuser indéfiniment sans mettre des poutrelles de soutien, donc ça veut dire trouver du bois ou les sous-entendus en coupé. Donc faut avoir accès au service bûcheronnage là, et c'est vraiment dur. Et je pense que c'est sans doute l'évasion la plus classe en souterrain.
Vous pouvez vous évader. Là, j'ai essayé, mais ça a été un échec précédemment, de mouler les clés des matons après les avoir patatés, les avoir sonnés. Avec du plastique fondu, j'ai réussi à mouler mes clés, tout un jeu de clés. Et j'avais volé une tenue de vrai maton dans mon métier de laverie, là. Sauf que je m'étais fait pincer, je sais plus comment. Alors, vous avez qu'à revoir les épisodes précédents. Merde, je suis crevé. Ah, j'ai tellement fait de gym que faut que j'aille à la douche. Alors mes stats. Wouhou, ça sent bon. Ah, faut que je fasse un peu d'internet pour que ça mon intelligence à 100%. Vous voyez, 98 ans. Il y a aussi les faux papiers. Je sais qu'il y a moyen, avec le directeur de la prison, de lui shipper un ordre de libération et d'en faire un faux. Yop cousin, j'espère que tu vas bien. Merci d'être là. Ça y est, je suis reposé. Je vais faire l'intellect dans la salle internet. Oui, j'aurais pu dépouiller le petit carreau là juste à côté. J'ai plus les réflexes. Appel de fin de journée. Alors là, il faut que je croise les doigts pour pas me faire fouiller parce que il y a deux détenus qui vont se faire fouiller leur cellule avant le dodo. Ok, merci pour l'info. Ah, ça va, c'est pas moi. La musique est trop forte. Ok. Hop là. Je vais vous baisser les... Voilà, ça doit être pas mal. Merci pour l'info. Là, ça doit être mieux, je pense. Ah, c'est vrai qu'il y a le... Il y a les deux musiques, ça va pas, c'est pas compatible. Il y en a qui peuvent me vendre des trucs. Non, merde, il y avait une requête, tant pis. De toute façon, c'est l'heure du dodo. Ah. Oh la vache. Alors, le pénarium, je sais pas... Oui, je pense bien que c'est mieux, merci, cousin Rio. Tonneau de pénarium, je sais pas à quoi ça sert. Attendez, je vais réfléchir un peu avant de basculer dans la nuit suivante. La journée suivante. Oui, pardon, j'avais pas fait gaffe que j'accumulais les deux musiques en fait. Ah oui, tu me l'avais dit en plus, mon pauvre Frobose. Tu vois, je t'avais même pas lu. Une minute avant, tu disais pareil. Pardon. 30 secondes exactement. Oui, donc, il y a moyen de faire creuser des tunnels souterrains, mais il faut trouver du bois pour maintenir le tunnel et se barrer. C'est la plus longue et la plus classe des évasions. Il peut y avoir les faux papiers, aller dans le bureau du directeur et voler un ordre de libération qu'on falsifie. Il peut y avoir ce que j'ai tenté de faire, c'est-à-dire de mouler les clés de service des matons, les boxants et les assommants temporairement. Avec le plastique fondu, faire un moule, machin, vous savez que là que j'ai une fausse clé utilitaire. J'avais pris ma tenue de maton que j'avais eu dans mon métier de laverie dans la prison, mais je m'étais fait intercepter, je sais plus comment, il suffit de voir les épisodes précédents. Il y a d'autres moyens de s'évader. Je pense même qu'il y a moyen de faire une évasion force brute, mais ça va être très balèze. Il faut éviter les snipers ou avoir un niveau de vie bien élevé pour supporter ne serait-ce que deux tirs de snipe dans les tours de guet. C'est tout simplement de patater vraiment, enfin pas vraiment, assommer les matons et prendre leurs vraies clés, ouvrir à fond la caisse les grilles et se casser en surface quoi. Je pense qu'il y a moyen aussi de le faire, mais c'est balèze. Oh, derrière les matons. Et là, je vais écoper d'une fouille de cellules. Je vais être deg dès le matin. Voilà, ils vont dire deux personnes. C'est pas moi. Yes! Alors, qui propose quoi? Ah, corde. Alors, les cordes, je crois qu'il y a moyen de s'évader aussi de manière aérienne. Depuis les conduits d'aération et les toits.
Il doit y avoir moyen, un endroit d'accrocher la corde sur une antenne ou je sais pas quoi sur le toit de la prison et de se barrer. Il y a de ça aussi qui est possible. Après, il y a peut-être d'autres méthodes d'évasion, mais j'ai pas expérimenté. Mais moi, dans mon cas, j'ai toujours échoué. Je suis nul à ce jeu, c'est ce qui est drôle finalement. Ah là 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 là, ouais, ils ont des requêtes. Donc si je zappe. Ah voilà! Escabeau, oh la vache. Ah, un ruban adhésif. Encore un briquet. Moi j'ai la chance d'en avoir deux gratos là. De toute façon, je vais aller fouiller les cibles. Bon, c'est le petit-déj, mais. J'aimerais bien trouver des notes de fabrication chez les. Dans les bureaux des copains là, les autres cellules. Voilà, merci, c'était bien. Évidemment, le maton a vu que je me suis barré avant l'heure. Un fou! Je vais inspecter les bureaux des copains. Ça va, tranquille, l'autre, il a un bouquin, il a une montre. Bah alors, j'allais dire, je peux même plus interagir avec le bureau de Roger. Ah, une pile. Je sais plus, on peut faire des trucs avec les piles. Je sais plus quoi. Oh, il y a du patatage, on entend des coups de poing. Il y a du patatage dans l'air. Je prends encore un briquet, gros bien que je suis. Allez, tant que j'ai la capacité de stockage, allons-y, on se plaise. Alors, les autres cellules, rapidement. Alors, il y a mon drap toujours dans la cour antérieure. J'adore mettre le boxon dans cette prison. Oh, donuts! Donuts! Oh, une batte de baseball! La violence! Je retiens que lui pour la journée a une batte de baseball. Ok. On sait jamais si je veux. Ah bah voyez du bois. Il y a une matière interdite évidemment. Oh, merde. Ah, il m'a vu. Ah non, il n'y a pas de note de fabrication aujourd'hui. Ah, je me cache dans le casier. Je cours, je vais me barrer. C'est pas ça là, le truc utilitaire? Elle était de quelle couleur ma clé là, mon moule de clé? Je sais plus moi-même. Attendez, j'ai anticipé le. Non, j'ai pas le droit. Bah. Ah non, je prends. Je suis con. Oh, mais j'ai du mal moi, c'est pas possible. Voilà. Ça, j'aurais un truc dès le départ prêt pour ma journée de boulot tout à l'heure. Je vais être tellement rapide qu'ils vont rien voir. C'est répugnant. Ah, oh, faut que je réfléchisse à une évasion. Déjà, il faudrait que j'essaye de faire jouer mon bonus de la clé moulée utilitaire, je sais plus quoi là. Il faut que je repère à quoi ça correspond. Normalement, la couleur de la clé correspond à la couleur du cadenas sur les grilles. Là. Huh. Allez, quota de taf, on y va. Je vais avoir de l'avance. Hop là. Ah oui, mince. C'est à la main qu'il faut que je le fasse. Loupe la bombe. Tac et tac. Mais laisse-moi.
j'en fasse deux, je crois encore. Et c'est bon. Et c'est ça qui est bon. C'est ça. Donc, éventuellement, j'anticipe pour demain. Alors, ma clé, de quelle couleur est ma clé? Il faut que je repère absolument le cadenas auquel ça correspond. On dirait orange, utilitaire orange. Ah, c'est au-dessus de ma cellule, celle-là. Ah, c'est intéressant parce que ça joue ma cellule. Donc, je pourrais accéder à ça. Et ça me donne quoi, en fait? Là, c'est une cellule, je sais pas quoi. Putain, la vache, le maton, lui, il va pas me louper, lui. Sentinelle, là. Ah, ah. Utilitaire, je devrais avoir du matos d'exception. Hé hey, qu'est-ce que tu fais dans mon truc? Salopard, me prends pas ma clé, hein, truc. Viens par ici, Michael. Somnifère. C'est moche. Mélange des somnifères à de la bouffe. Période de sport, oui, pourquoi pas. Je suis mauvais en vitesse. Laissez-moi un tapis. Je veux un tapis de vitesse. Allez, go. Que je m'entretienne. Alors, réfléchissons. Ouais, j'ai au moins tenté une intrusion dans le local de... Dans le local de l'utilitaire. Parce que je pourrais peut-être mettre la main sur du matos, hein, du non-utilitaire. Sur quelque chose de révolutionnaire qui contribuerait à mon évasion. Non, là, je prends notre pain, je suis tout doux. Oh non, je vais y aller jusqu'à épuisement. De toute façon, le temps que dure la douche. Je suis 73% d'épuisement là. Je sais pas que vous avez les valeurs. Ah oui, je sais que vous voyez bien que c'est bien. En jaune. C'est bon. Ah, le directeur qui passe faire sa promenade de jour. Voilà, je suis claqué. Tu connais mon nom? Qu'est-ce qu'il dit le directeur? Il est fou. Stats. Ouais, c'est bien, hein. Je m'entretiens vachement bien. Avec un peu de chance, demain j'aurai les 3 stats à fond. Si ça ne m'est encore jamais arrivé, je vais peut-être débloquer un succès d'ailleurs. Le dîner, oui, bah le dîner, on se relaxe le dîner en même temps. Oh! Bah alors, que signifie? Les lois sont ignorées ici, ouais, tu m'étonnes. On va voir les matons. Alors lui, il a quoi? Oh! Oh, il y avait de la bouffe! Et lui? Une serpillère, on s'en fout. L'autre, un poignet affûté. Oh! Oh! Oh, il y a de la bouffe, c'est honteux. En plein corridor. Bon, allez. J'adore mettre le boxon dans les prisons. Souvenez-vous, la dernière fois que j'avais été puni en isolement, j'avais bouché toutes les... Non, j'avais tiré toutes les chasses des chiottes. Mais je crois que je peux boucher les chiottes aussi, ouais. Balancer le drap dans les chiottes et tirer la chasse, enfin le truc horrible. Y'a moyen. Bon, le mec qui a la batte de baseball dans sa cellule, en fait, je vais rien en faire. Donc il faudrait que je creuse. Clac, clac, clac. Ah putain, c'est intéressant. Comment on fait pour avoir un truc qui creuse? Faut que je regarde mes recettes, je sais plus. Ouais, mais pioche, c'est vraiment en sous-sol pour la terre, alors que moi, c'est le mur que je vais attaquer. Donc le mur, je crois qu'il faut péter une... Il faut péter une... un couteau, je sais plus, ou une fourchette pour la... Pour gratter les joints du mur, quoi. Et faire coulisser les pierres. Je pense que c'est un premier objectif valable, hein. Vous voyez, il y a même grappin à faire, vous voyez. Sans déconner, il y a moyen de se barrer du toit. Bougie, pile plus câble.
poulie tyrolienne. Voilà, vache, faut y aller, quoi. J'avais pas un sac de contrebande résistant, moi. Ah ouais, mais j'ai dû me faire dépouiller, je crois, ouais, quand je m'étais fait gauler. Bah, au moins j'aurais essayé. Voyez l'importance de tenue de armure renforcée quand on se fait tirer dessus. Je pense qu'il y a moyen de se barrer avec les clés carrément à la surface en plein jour. Les mecs, ils essayent de vous dégommer, mais comme vous avez une armure, bah... Sans déconner, je pense qu'il y a moyen de faire comme ça. Je me demande si cette prison-là, je vais pas la tenter comme ça, de me barrer en surface. Mais il faudrait que je me fasse une armure. Ah ouais, faire un faux mur, c'est important. Papier mâché, de l'encre pour faire un faux mur. C'est vrai que le mur va tomber quand je vais le gratter. Ah, surtout pas que ça se voit. Faut d'abord que je fasse un faux mur. Papier mâché x2 et de l'encre. Ouais, faut procéder méticuleusement par étapes. Les machines à laver qui n'ont jamais fini. Elles tombent sans cesse. Ça y est, il y en a qui se patatent un peu. Oh là 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 là. Force et vitesse. Ouais, je peux peaufiner la force et la vitesse. On devrait inonder la bibliothèque. Et ça recommence. Les âneries balancées dans la salle de sport, ça y va. Je suis pas à fond là. Ah non, je suis pas à fond. Alors, un faux mur. Hop, il me manque la vitesse. Au moins ma période de lutte du soir va pas être perdue. C'est vrai que c'est dur hein. Ah, c'est excité au clavier avec les touches. Quoi ? Avant ça j'avais ma propre compagnie. Ah oui, dans le sens compagnie entreprise. Je me dis mais qu'est-ce qu'il raconte ? Mastic, 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 papier mâché. Ouais, allez, je suis claqué là. Mais avec un peu de chance, j'ai les stats à fond. Non, pas encore. Ça redescend progressivement, hein, c'est terrible. Bricolage. Non, pas bricolage. Oh la vache, il y a 16 pages de manuel. Papier mâché x2. Papier mâché. Comment je fais le papier mâché? Ah, rouleau de papier et colle. Rouleau de papier et colle. Ok. Rouleau de papier et colle. Ah, ça va être l'heure de l'appel. L'appel du sourire. Ils ont toujours pas ramassé là. Oh, j'espère qu'ils vont pas me fouiller. Voilà, à force de tourner, ça finira bien par arriver, mais... Enfin, tu me diras tant que j'ai pas trop de trucs. Non, c'est pas moi ce soir, Victor et Yannick. C'est pas long, on s'en fout. Oh, ils m'ont pas vu, je suis déjà dans mon truc. Papier colle. Y'en a pas un qui avait un papier colle. Ah, papier. Mais c'est pas de la colle. Bon, j'ai déjà du papier. Ce qui est pas mal. Papier. Bon, bah j'ai déjà de papier, on va pas s'en plaindre. Merde, j'ai plus assez de place. Aïe, n'est plus assez de place. Et merde. Et merde, et merde, et merde. Ah bah, avec de la colle. Ça y est, j'avais oublié que j'avais un truc de colle. Je peux faire un... J'ai un premier papier mâché.
C'est merveilleux. Attends, j'essaye de regrouper au même endroit les objets interdits. A plus, Frobose. Merdoum, je fais pas ce qu'il faut. Merde, je suis pas à côté du lit. Oh, je suis une bêtise. Ouh, tant que mon perso se repose. Faut que je vole de la colle. Ou éventuellement que j'en achète. Mais je pense que voler ce serait mieux. Oh, il m'a vu, il est chiant. Mais non, mais il a pas de... Oh, il a une lime. Aïe, il m'a fait bobo. C'est pas moi, j'ai du bol. J'échappe toujours à la... Pour le moment, à la... À la fouille. Montre les escabeaux. C'est vrai qu'il y en a qui ont des 4. Magazine disparu, officier fun fan. Est-ce que ça vaut le coup que je le patate? Non, pour le moment, non. L'amitié que m'a entraîné, c'est une bonne sur crème pour les mains. J'aimerais que tu me récupères ma crème pour les mains chez les... Chez Yannick? Ah oui, c'est jouable. Chez Yannick. D'ailleurs, je vais le visiter tout de suite. De la glu. Oh, putain, ça je m'en fous. Je trimballe des trucs, c'est bien. Oh, câble. Ah, ouais. On a dit Yannick. Ouais. Je suis toujours pas arrivé chez Yannick. Non, c'est de la colle qu'il me faudrait. Ah, il y en a qui se sont patatés et c'est l'heure du petit déjeuner. Oh oh oh, un peigne affûté. Alors, vous allez voir que... crème pour les mains. Oui, je suis en retard, je sais. Oh. C'est pas comme s'il y avait un co-détenu qui était KO dans le couloir. On a dit Yannick, la crème pour les mains de Yannick. Oh, merde, il n'y a pas ce que je veux. C'est Roger. Ah, une spatule. C'est pas ça qui m'aide à creuser les murs tant que j'essaie. Oh merde, il va me voir. On est chez James. Avec deux S. J'ai pas les objets que je veux. Voilà le fameux Yannick. Ah oui, voilà. Ok, ah bah j'ai même pu aller voir le mec d'ailleurs. Tout de suite j'ai la. J'ai la récompense. C'est mon nom le bâton là. Mais j'ai pas de colle. Vous faites l'œuf et la poule. Il serait bien que je chippe des draps et que je les mette sur ma cellule pour qu'on voit pas ce que je fais. Merde. Oh la vache, ils font une séronde les salopards. Mais j'arrive même plus à me saisir de. Circuler, y'a rien à voir. Si je creuse ça, non. Je sais plus comment on fait pour. Non, ça marche pas mon truc. C'est pas la spatule. C'est pas la spatule. Ok, là
Ah, tant pis. Ouais, c'est l'heure du déjeuner. Est-ce que c'est pas un peigne à futer ou un couteau? J'ai souvenir que les premières fois que j'avais gratté un mur... Alors c'était ma toute première partie, hein, avant que je sois sur Twitch, donc... Encore que si, le ralenti, vous l'avez sur ma chaîne YouTube, j'ai dit des bêtises. Je crois que je prenais des couverts en réfectoire à la cantine, et pour creuser le mur. Et de toute façon, il me manque de la colle pour faire du papier mâché et faire le faux mur. Il faudra impérativement que j'ai un faux mur sous la main pour réussir à me faire passer avec mon mur amovible et accéder aux utilitaires. J'espère que c'est pas descendre avec un flingue. Assassin. Mais j'y arrive pas. Oui, je suis devenu suffisant. Allez, je suis un homme libre, si je puis dire, semi-libre. Merde. Personne n'a de la colle. Il faut que j'essaye. Il faut que j'aille à la cuisine. Je vais gauler des couverts et voir lequel des. Couverts. Soit c'est la fourchette, soit c'est le couteau. Je crois que c'est le couteau. Attendez, il faut que j'essaie de gratter mon mur de cellule une première fois. Voilà, tant que personne n'est là. C'est pas ça, sans déconner. Ah, si, c'est les fourchettes. C'est les fourchettes. Il faut que je collectionne les fourchettes. Ok, merci. Personne qui a... De toute façon, j'ai déjà fouillé les bureaux, il n'y a pas de... Oh la vache. Il faut que je m'entretienne. Dans mes stats. Qu'est-ce que le directeur vient passer dans la laverie, moi? Enfin, vous direz, c'est sa prison, mais quand même. Force vitesse. Ah, intelligence, tu as donc... Force vitesse. Ah, tout le monde se rue sur le tapis de vitesse. Je le crois bon. Moi, je vais faire la force, et puis après, je vais enchaîner un peu la vitesse, le temps de. Pendant que les autres sont à la douche. Il faut absolument que demain, je mette la main sur de la colle. Il me manque de la colle pour faire le faux mur. Après, je taillade le mur de ma cellule. Avec la fausse clé, je devrais pouvoir accéder aux outils. Merde, je suis déjà trop fatigué, je peux même pas faire de la vitesse. Il y en a qui vendent des trucs et qui proposent des caisses. Comment ça, rien en a? Merde, j'ai pas cliqué sur le bon mec. Bah, il avait un petit sac sur la tête, ouais. J'ai besoin d'objets ou sans plus. Tu peux m'en avoir un? Non, il a rien à voir. Bruce complète quelque chose. Va le mettre KO et rappelle-lui qui commande. Oh non, je ne peux pas t'aider. J'ai enfin trouvé qui m'a balancé le directeur. Distrait les gardes. Oula, il y a une erreur de traduction. Distrait les gardes, enfin de saisie. Au prochain appel matinal. Non, je ne peux pas foutre qu'à l'appel matinal. C'est pas le moment que je me mette les matons à dos. Qui me lâche les masques. Ah, ça y est, je suis reposé. Oh, je vais faire la vitesse, moi. La vitesse. Merde, c'est la dominée. Oh, je fais quelques bornes.
Allez, je monte jusqu'à, allez, 30% fatigue peut-être. 28, 30, parce que là, arrivé en retard au dîner, ils vont m'engueuler. Ouais, je vais me faire engueuler déjà. Laisse tomber. Ouais, c'était sûr. Mais, putain, je prends même pas mon plateau repas. Il faut qu'il y ait de la colle demain dans les bureaux des co-détenus. Sinon, mon truc va être retardé. Il vend quoi, lui? Mais... Oh, j'ai mal cliqué. Ouais, du bois, de l'encre et des clous et des chmeux. Bonjour, Bastos. J'espère que ça va bien. Oui, je dis pas d'annerie. T'es en repos aujourd'hui. Tu vas pouvoir souffler un peu. Mes stats. Ouais, c'est la vitesse qui me manque. La 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 la. Oh, il me faut du... Oh, quelle horreur! Le chat de l'officier Fun Fan s'est fait écraser. Ah là! Un physique hors norme. Vous voyez, succès déverrouillé. Je sais pas si vous voyez mon alerte Steam. J'ai toutes les stats à fond. J'ai toutes les stats à fond. La classe. Oh la vache. Force, intelligence et basta quoi. J'ai vraiment tout à fond. J'ai tout à fond. Du coup l'intelligence et j'ai tout à 100%. Non, c'est possible. Ça c'est la classe. Allez. 100%, 100%, 100%. Stylé. Oui bah je vais aller à la douche d'ailleurs en parlant c'est trop stylé parce que sinon je vais crever le lendemain matin. Bon bah il n'y a plus qu'à prier que je subisse pas une fouille. Encore que c'est pas la fin du monde. Je crois que j'ai rien planqué dans les chiottes. Attendez, je vais vérifier les sanitaires de ma cellule moi. J'ai un doute. Je pense que j'ai rien dans les chiottes. Parce qu'on peut planquer des trucs, regardez. Quelle utilité en plastoc, ouais. Oh la vache. D'ailleurs c'est con, mais rien ne m'interdit de prendre mes objets sur moi. Si ça me fera passer les deux fouilles, celle du soir et celle du matin, on sait jamais. On sait jamais. De toute façon je peux rien faire d'autre. Bah. Je vais fouiller les deux clampins quand ils sont mis mutuellement KO. Non. Attendez. Hop là. Ah, ours en peluche. Je sais plus qui c'est qui voulait un ours en peluche. Et lui là. Non, il n'a rien à terre. Je sais plus qui c'est qui voulait un ours en peluche. Ça tombe bien. Attendez, faut que je lise les quêtes. Ah, pour Fernand. Faut que je repère Fernand. ce mois d'un debout, ça gagne une raclée. Qu'est-ce que tu penses? Non. Bah, j'ai l'ours en plus, mais il le veut pas. Il est nuche, lui. Ah, ou alors faut que je lui donne. C'est ça. Il faut que je me rappelle de la mécanique de jeu. Bonjour, Eruster. Merci pour l'hébergement. Alors, je suis surpris que tu te manifestes à toi alors que je joue à The Escapist parce que je crois savoir que tu veux le faire et tu veux pas te dévoiler l'intrigue. Mais merci, c'est très gentil. Tout va bien, héros. Alors, cellule. Ah, clac, clac, clac. Wouh! Il faut espérer qu'il y ait quelqu'un qui ait de la colle demain. Sans quoi, mon plan peut pas être mis à exécution. Ça y est, ils m'ont fouillé, ils m'ont viré les draps. Je vais pouvoir reposer dans mon bureau mes objets interdits.
Ouais, bah oui, tu vas rester en retrait, ouais, je comprends, héros. En même temps, je t'avouerai, je suis nul au jeu. C'est ce qui est drôle. Hein. Je fais presque tout ce qu'il faut pas faire. Mais merci tout plein, hein. Bonne matinée à toi, héros, bonne journée. Mince, j'ai pas cliqué là où il fallait. Alors, Bruce complote quelque chose. Non, je veux pas patater Bruce. Ah, une montre. Je vais peut-être trouver une montre, mec. Oh non, j'ai pas envie de mettre le boxon à la peine le matin. Oh, il vend des choses qui ne m'intéressent pas, dommage. Oui, ça peut pas être moi. C'est bien, ils m'ont pas vu. Ils sont très distraits, les matins. Je veux de la colle. Oh, il a une batte de baseball. Oh, le vilain. Mériterait que je balance son donut dans le couloir. Oh bah lui aussi. Oh non mais c'est le club des battes de baseball là, j'hallucine. Oh la vache. Allez, que quelqu'un ait de la colle. J'en peux plus moi. Je veux tenter ma... de dévaliser le local à Matos. Je suis désespoir. Merde, c'est l'heure du petit-déj. Vite, 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 faut que je me débrouille. Mais personne n'a de colle, c'est pas possible. Bon, allez, je vais au déj parce que sinon ils vont me mettre le grappin dessus. La place est prise, gamin. Oh oh oh, ça parle mal. Qu'est-ce qu'ils vendent, lui? Attendez. Tu vends quoi, toi? Ah, c'est le même. Oh. Sacré James. Attendez, je suis mal assis. Eh, oh, code rouge, ça veut dire qu'il y en a qui va se faire patater la tronche. Selon la tradition carcérale, j'ai envie de dire. Il va y avoir du grabuge aujourd'hui, il va se passer un truc. C'est obligé. Période libre du soir. C'est le matin, c'est pas grave. Oh, oh, oh. Merde, il m'a vu. Oh. Non, il veut me mettre une patate dans la tronche. Non. Non, monsieur Maton, non. Non. Arrêtez de me mater. Oh. Intéressant. Merde, il s'est réveillé. Oh. L'autre qui m'a fait perdre du temps, là. Monsieur le Maton. Scandaleux. Je veux de la colle! Quoique le talc peut être sympa. Parce que le talc est pas si fréquent que ça. Si je veux me faire du mastic. La colle, mais personne n'a de la colle, mais c'est pas possible. Enfin, il va falloir qu'ils inaugurent un atelier copiage. Copiage. Un atelier papier. Collage et compagnie là. Je veux de la colle, c'est pas possible. Ah, quelqu'un voulait une montre. Je sais plus qui dans les requêtes qui rapporte de la thune. Bon, je vais ranger mon talc. Ah, sauf que j'ai plus de place. Oula, je suis gourmand en truc moi, faut que j'arrête mes âneries. Ah bah non, je peux pas garder sur moi. Et d'ailleurs, excusez-moi, mais je vais chiper les draps des autres. Pour que je puisse. Pas bon. Que je puisse discrètement gratter le mur. Ah, c'est terrible de pas avoir de corps. Oh, j'ai encore resté un jour de plus en tôle. Tu vends quoi, Yannick? Tu vends pas de la colle. T'es plus mon copain. Hein. Et merde. Ah, comment je vais faire? Parce que si j'anticipe le fait de creuser le mur alors que j'ai pas de faux mur à placer sans éveiller soupçon, ça va pas, il faut vraiment faire dans l'ordre. Je vais peut-être peaufiner mon inventaire dans ma cellule. Il y a des trucs que j'aurais pas besoin, je pourrais me débarrasser. Éventuellement je le mets planqué sous les chiottes. J'ai 3 cases d'inventaire dispo, mais...
l'heure de l'emploi. Quoi, Roger, un mouchard? J'ai pas lu l'intégralité de la réplique. Voilà qui m'intrigue. Wow, double visite dans mon lieu de travail des matons. Faut arrêter, là. Ils veulent un autographe, là, ou quoi? Ce harcèlement, c'est honteux. Je me plaindrai auprès du directeur. Aïe, aïe, aïe. Voilà, faut que j'en fasse 10. Faut que j'en fasse 10. Ah ! C'est des bêtises. Je suis désespoir. Oh, oh, tu vends quoi ? Tu vends le même truc ? Ah, ah, oh, merci de la colle. Putain, j'avais 300$ sur moi. Merci, ma couille. Ça parle mal, mais je suis à la fête. Ah là 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 là, mon plan machiavélique va voir le jour et la nuit. Je dis n'importe quoi. Je suis déchaîné. Vous m'avez perdu, adieu. Ça me va très bien. Oui, alors attends, je pose un bouquet là. Voilà, j'essaie de regrouper mes vilains objets ensemble. C'est bien de l'écran là fait pause en fait. La journée ne se déroule plus. Je réfléchis, attendez. Je sais plus. C'est quoi la recette du mur? Faut que je la révise. La recette du faux mur, c'est quoi? C'était ça? Non. Document signé, affiche. Ouais, il faut du ruban adhésif pour faire une affiche. Oui, d'accord. Papier. Ah, de l'encre. Est-ce que j'ai de l'encre? J'ai pas d'encre, mais j'en ai vu. Attendez. De l'encre. C'est là où je me demande. Quoique personne n'en a. De l'encre. Si j'en ai vu, c'est pas possible. J'ai pas le droit de ne pas avoir d'encre. Il faut que je fasse mon faux mur. Ensuite, je prends une affichette. De l'encre. Il y a un Nigo qui a de l'encre, c'est pas possible. Oh, il y en a qui sont patatés. Merdoum. Qui c'est qui se fait patater? J'entends des coups qui partent. Hé, quota de travail! Je suis en train de m'apercevoir que mon truc clignote pas. Non, j'ai pas fait mon quota! Non. Mais si! Si, j'ai fait mon quota. Période de sport. Je dis pas non. Alors, faut que j'entretienne tout du coup. Parce que oui, j'ai un peu tout perdu. Attends, je vais me ruer sur un tapis de vitesse parce que c'est les plus convoités. Non! Oh, fais chier! Je suis arrivé trop tard! De l'encre, il me faut de l'encre, absolument de l'encre. Là, on est complètement cerné par les matons, je peux pas me barrer de la salle de gym. De l'encre, je vais finir par m'évader, c'est pas possible. Enfin bon, aujourd'hui, je prévois pas l'évasion. J'y aujourd'hui, j'ouvre. Mais. Si seulement avant midi je pouvais accéder au truc mouche utilitaire, ce serait bien. Allez, tu vends de l'encre? Je te l'achète. Non, des somnifères. Ah si, de l'encre. Merci monsieur. Bon, une bonne chose de fait. Je vais entretenir ma vitesse du coup. Si j'y arrive. Et j'arrive même plus à rentrer sur le tapis moi. Oh, le maton qui voulait que je sois sous la douche. J'ai le droit de faire les prolongations au sport, non mais... Allez, go. Ouais, je tiens l'intelligence et je m'en fous très bien, quoi. Ah ah ah! Qui c'est patate?
Autant vérifier ce qu'ils ont. Oh la vache, là mon verre. Salopard. Oh, c'est gentil. Une note de fabrication et un cookie. Oh, je prends tout. C'est quoi la note? Pince légère, cutter fragile, plus ruban adhésif, plus lime. Hic. Merde, c'est l'heure du dîner. Oula, j'arrive en retard avec les assommés, moi. Un cookie, en plein couloir, c'est dégueulasse. Alors, réfléchissons. J'ai mon encre, donc je peux faire mon faux mur. C'est excellent. C'est excellent. Je vais peut-être pouvoir commencer à gratter le mur. Donc je vais sortir d'ici avec des fourchettes. Je vais prendre deux fourchettes. Les matons n'ont rien vu. Oh, ça papote là, ça va, c'est la fête. Alors, papier mâché, tac tac tac, fabrication. Ah ouais, j'ai un faux mur, c'est énorme. Il faut pas se voiler la face, c'est énorme. Le mec, vous imaginez, j'ai une fouille, il faut que j'embarque le faux mur sur moi. Le mec, il va pas enfler comme du bardom sous sa tenue de maton, pas de maton, de prisonnier, pas son maton justement. Il faudrait du ruban adhésif parce qu'avec un poster, je vais pouvoir maquiller mon faux mur en un poster. Je vais avoir un. Je vais chercher du ruban adhésif. Merde, l'autre il va me voir. Non, je crois pas quelqu'un avec du ruban adhésif. Allez, je vais aller refouiller les cellules du haut là. Ah bah, de l'encre. Si jamais. Je vais reprendre si jamais. C'est bien, il m'a pas vu. J'ai jamais rien fait avec les éponges. C'est un objet assez rare, l'éponge. Je me demande ce qu'on peut combiner avec. Oh, le banc des ce serait bien de m'avoir. Merde, il n'y a pas. Oh, je vais lui voler son donuts, j'avais promis dès le matin. Tiens, en plein dans la cour d'appel. Enfin, cour d'appel, on se voit à la justice. La cour intérieure. Oh, merde. On n'a pas un cora du ruban adhésif. Ah, je suis pas le seul à collectionner les fourchettes à ce que je veux. Bonne le chaligot. Ouais, ça va être l'heure de l'appel de toute façon. Ah non. Merde, il y a encore une heure. Oh, je suis mauvais. Je retiens même plus les heures de prout-prout dans le... dans la prison. Ah oui, j'ai une fourchette cousue. Elle va finir par casser. Vous voyez, j'ai un pourcentage. Faut que je sauve 40%. Je peux pas... Je peux pas éternellement... Il est pété à combien le mur? 60%, c'est ça? Ouais, l'objet fourchette est cassé. Évidemment, ça. Oh merde, il va me voir. La 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 la, vous n'avez rien vu. Du talc, de l'encre. Le talc peut être sympa, surtout pour 15$. Encre, j'ai déjà. Pas non plus. Attendez les quêtes, attendez. J'avais montre pour Samuel. Merde, j'ai pas pris de montre. Dommage. Ce sera pour demain. Qui c'est qui fouille? Qui c'est? Pas moi. Ouais. Non, ouais, c'est intéressant ce qu'il propose, mais. Attendez, c'est quoi les requêtes? Non, je veux pas distraire tout le monde à la douche. Non, je veux pas casser la figure à un maton. J'en ai pas d'intérêt maintenant. Ce sale voleur de Julien a volé mon jeu Worms. Je veux le récupérer maintenant. Ouais, mais c'est le maintenant qui me fait suer.
puisque je récupère demain. Ah, attends. Ah oui, j'avais pas souvenir d'avoir vu avec Victor notre chaîne de karaoké cassée. Bon, allez, je m'en fous, je rentre dans ma cellule. J'anticipe. Alors, un peu de tri. Un peu de tri. Ouais. Je mémorise ce que j'ai d'interdit. Donc j'ai 3 objets interdits. Si je suis l'objet d'une fouille demain matin, plastique fondu, la clé et le faux mur. J'espère trouver du coup du ruban adhésif demain. Le couteau me sert à rien, c'est débile. Faut que je me débarrasse du couteau, moi. Même le DVD, honnêtement. Kit de soins, je sais pas si... Tonneau de pénarium. Je sais que c'est un objet rare, mais j'ai jamais utilisé de tonneau de pénarium. Pareil, le savon. Je vais me débarrasser du savon. Ouais, ça me libère des casques, je ne sollicite pas. Ouais, allez, jour suivant. Oh, 26e jour, la folie. C'est la folie. Qui c'est qui a gagné une fouille de cellules au petit matin? Oh, une note de fabrication. J'ai eu un bug USB là, merde. Attendez. J'espère que je suis toujours à l'antenne. Attendez, je me suis fait peur là, Il se fait vieux hein, mon ordi. Il a... Oui, je vois tout, mais pardon, c'est bon. Ça va, je ne suis pas fouillé. Oui, non, mais lui, je vais déjà acheter des trucs. Chaise à vernir. Oh là 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 là. 3 bois. Ok. Avoir 3 bois, c'est pas donné. Kit de pédicure. Ouais, je peux en avoir un, mec. Non, lui, ça m'intéresse pas. Bon, allez, je me barre. Kit de pédicure et moi je voulais quoi? Du ruban adhésif. Ah! Encore une note de fabrication. Oh bah c'est une bonne journée là, rien que ça déjà. Alors. Merde, mon journal de bouquin j'ai complet. Déconne pas. Déconne pas. J'ai toutes les pages? Parce que je peux pas acheter de pages. Truc muche pédicure, faut que je retienne et ruban adhésif il me faut. Connais pas. Bonjour Tomouf, comment ça va? Ah, que je reboive un coup, j'ai dû la voix enrouée. Alors attends, ça j'en veux plus. De toute façon, la fourchette elle est quasiment pétée donc je peux la laisser. Voilà. C'est la de poté de Johnny. Chibidi bidi bidoudé. J'ai commencé par me faire gronder. Oh. Incroyable. Mon journal de fabrication est complet. Une montre et kit de pédicure. Faut que je retienne les quêtes. Le son du jeu est un petit peu fort, on t'entend très faiblement. Alors j'avais déjà baissé, c'est ça le pire. Ah. Mais merci de la remarque. Voilà, j'ai encore baissé d'un cran. Bon, il est vrai aussi que je fais pas l'effort de parler fort. Je parle pas beaucoup dans les moustaches, je parle normalement, mais je peux comprendre. Non, je vais pas creuser tout de suite. Je veux fouiller les cellules des copains parce que je suis en quête de plusieurs trucs. Ah bah, kit de pédicure. Quelqu'un me l'achetait. C'est dingue. Votre journal de bricolage est complet. Ah, c'est dément.
Je pensais pas qu'un jour je pouvais avoir le journal complet de... Oh! Je vais peut-être déposer mon encre. Moi, je... Ah bah une montre! Quelqu'un m'a acheté une montre, je vais la prendre maintenant. On est d'accord! Montre, kit de pédicure, nickel, je vais me faire du fric. 2 x 19$, trop bien. Il me faut du ruban adhésif, bordelum. C'est pas vrai. Ah, c'est vrai, je peux faire le téléphone. Oui, c'est vrai, j'ai fait les trois coups de téléphone. Ouais. Sympa, les 3 indices pour me barrer. J'ai pas de ruban adhésif. Oh, bah lui aussi, il avait un kit de pédicure. Elle est bonne, celle-là. Il y en a qui spawnent pour des mannequins, là, ou quoi? Merde! Je veux mon ruban adhésif. Ah, comment je fais mon évasion? Lui, je l'ai fouillé, je sais déjà plus. Oh, ils font suer. Ça va être l'heure du déjeuner, je crois, de toute façon. Merde, il me manque du ruban adhésif. J'ai pas un pote qui va pouvoir me vendre du... Ah tiens, je suis en train de me dire, j'ai pas lancé la zone de notification, pardon. Je me dis, tiens, il est 11h, j'entends pas la sonnerie. C'est moi qui ai oublié de lancer ma notification avant de prendre l'antenne, pardon. Alors attendez, il a quoi lui comme... Non, il vend pas ce qui m'intéresse. Bon, adhésif, merde. J'ai pas de travail. Ah, Attendez, faut que je dépose dans ma cellule ce que je veux vendre aux copains. Oui, pardon, je vais aller bosser. Une journée de dur labeur. Et j'ai fait mon quota du jour. On y croit. Papa, papa, papa. Nickel. Nickel, je suis libre. Libre, mais sans ruban adhésif. Ce qui est mon kikine, en fait. Si j'avais fouillé les spatins, bah oui, j'avais commencé par balancer mon surplus. Alors ça, il faut que je le vende à l'appel du soir. Le talc, je crois que je peux le ranger dans mon bureau, ouais, j'ai encore de la place. J'ai rien dans mes chiottes. C'est-à-dire, je vais être vilain, c'est totalement arbitraire, mais je tire la chasse d'eau. J'en connais un, Samuel, qui va se faire engueuler par les matons, parce qu'il y a des trucs interdits. Attendez, j'ai le temps de faire un peu d'internet. Période de sport. Ouais. Bah, je m'entretiens en internet. Ah oui, je peux, intelligence. C'est ce qui me manque le plus là. Bon, je vais me faire engueuler par les matons parce que je suis pas dans la bonne salle au bon moment, mais. J'arrive. Ah.
Même Photoshop pourrait pas perfectionner ses abdos. Alors ça me bouffe. Dans la culture populaire, que ce soit Photoshop qui soit retenu, qui est le grand logiciel de, de retouche d'image de Adobe, c'est dommage qu'on fasse pas la promotion dans le langage populaire de l'équivalent libre. Et je milite pour le libre. The GIMP. Si vous voulez un logiciel gratos équivalent Photoshop, The GIMP, franchement, c'est tout aussi bien. C'est gratos. GIMP, pour ceux qui s'intéressent. Quasiment tout l'habillage de ma chaîne, les trucs que je vous ai fait, ma boutique, etc., je les ai bossés sur GIMP. Les tableaux mystères, je les ai conçus avec The GIMP. Merde, c'est qui voulait du... Oula, mince, j'oublie mes quêtes. Oh, je peux me faire de la thune. Samuel veut la montre. Il est où, Samuel? Ah bah merde, y'a plus personne. C'est l'heure du dîner. Ah bah, je vais vendre mon truc au dîner. Samuel. Oh, j'ai vu, j'ai entreaperçu Samuel. Attends, je prends ma bouffe. Samuel, t'es où, Samuel? Samuel, tu es où? Tu es là. Samuel voulait la montre, on est d'accord. Je fais nimpe. Alors, Samuel, montre. Samuel, hop là. De la thune. Et l'autre, c'était Pédicure Julien. Pédicure Julien. Julien, il est là. Julien, il est là. Pardon, t'es où, Julien? Julien, je vais pas te chasser, je suis désolé. Merci pour la thune. Oh, il a du talc. Sympa. Oh, il m'a vu, il veut me punir. Non. Non. Non, vous ne me punirez pas. Oh, il m'a vite oublié, cet abruti. Un périple du soir. Du ruban adhésif. Il me faut du ruban adhésif. Je garde du talc. Donc le talc, je sais plus ce qu'on en fait. Le talc, à un moment, on fait de la pâte. Je sais plus pourquoi. Mastic, peut-être. Le talc sert à faire du mastic, je crois. Oui, avec du dentifrice, ok. C'est ça, c'est bien, c'est pour mouler les clés. C'est très très bien. Dans mon profil, il me faut quoi? La vitesse. Je vais aller sur le tapis de vitesse, allez hop. Au moins, je conserverai de ma superbe. C'est pas perdu. Oh, Fernand, une visite programmée, Vénard. Il va pouvoir papoter avec de la famille. Dans le parloir. Alors. Si seulement j'avais du ruban adhésif, il m'en faut demain. À moins que, lors de l'appel du soir, en espérant que j'ai pas de fouille, quelqu'un puisse m'en vendre dans la cour. Ça se tente quand même. Oh! Patatage entre copains là. J'en connais que je vais fouiller. Attendez, je me douche. Ah non, je me douche pas. Non, il n'y a rien qui m'intéresse. J'aurais été vilain, je l'aurais dessapé. J'aurais bien rigolé de foutre à poil dans le. Dans le couloir de la cour intérieure. Mais bon, je ne fais pas mon vilain, je suis concentré à accéder au local du... des utilitaires. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Alors. Ma petite entreprise connaît pas la crise. Épanouie l'exhibe des trésors satinés. Dorés à souhait. Oh, il m'a même pas vu entrer dans la cellule de Roger. Dentifrice. Si je collectionnais le dentifrice des potes dans les chiottes. Merde, il va me voir. Je sors. Oublie-moi. Merde. Ah, faut pas que je me rattache au mur. Oublie-moi. Oublie-moi. Les chiottes de ma cellule, vite. Ah, ça va être l'appel du soir. Bon, au pire, si je me fais pincer, c'est pas... Mais je ne me ferai pas pincer. Ah, tu vends quoi, toi? Quoi? Non, je veux pas divertir les gars. Tu vends quoi, mon pote? Prout.
vends pas du ruban adhésif. Non, je veux pas casser la figure à... Pas moi. Ça va, c'est pas moi. Ah, lui, il a une quête et lui, il vend des trucs. Mon oreiller a été volé, je soupçonne Bruce. Oui, je peux te le récupérer. Ouais, du talc et de l'encre. Ouais, c'est gentil, mais... Je vais garder mon fric, là. Hein ? Garnir personnellement chaque oreiller. Quoi ? Quelqu'un a noyé le chapeau du directeur dans les chiottes ? Ah, les enfoirés ! Non, pas de question, je vais aller au dodo. Nah. Je désespère d'avoir du ruban adhésif. Je sais pas pourquoi, mais je pressens que demain matin au lever, je vais avoir la fouille réglementaire. Je vais prendre mes objets interdits sur moi. Il y a un petit fris là. Ouais. Allez, dodo. Chez dodo, doudou, dis donc. Objectif, accéder aux utilitaires. Bonjour, Funfun. J'espère que tu vas bien, mon cher Funfun. Alors, quoi, la femme de Michael est morte. Mais et il a pas renouvelé ses offres d'un jour à l'autre. Non, je veux pas patater un mec. Ah non, je fais pas partie de la fouille. Ok. Bon bah je vais fouiller le... Oh merde, il m'a vu. Oh, vous faites chuer. Je vais prendre, je sais pas, oui, des briquets sur moi. Et puis basta. Ah! Je fais des bêtises. Et puis des briquets, je vais mettre dans les chiottes. En attendant. Alors, première fouille de cellule du matin. Il y a encore ses notes de fabrication chez lui. J'hallucine. Non, il n'y a pas de ruban. Oh, le bâton, je le sens pas. C'est chaud. Petit déjeuner vite. Merde, mais personne n'a de ruban adhésif, c'est pas possible. Alors que Fernand est en train de patater chez papy. Oh, mais c'est la misère. Non, mais le jeu qui me guaque, quoi. Il sait que c'est le dernier élément qui manque à ma tentative d'accéder aux utilitaires et... C'est quoi vos quêtes? Non, je veux pas tabasser Yannick. Non plus, je veux pas tabasser Julien. Décidément, ils ont tous des rancœurs les uns les autres. Oh, ils ont un pied de biche, pas mal. Hein. Excuse-moi, je t'ai chassé de ta place, mon pauvre Victor, c'était pas souhaité. C'est une fausse manip de ma part et j'en suis désolé. Il faut que je fouille les cellules en haut de la prison. Là. J'ai 4 cellules et un espoir de ruban adhésif. Je vais plus vite que vous, je suis un dieu en vitesse. Vous ne verrez pas entrer dans la cellule, ninja style. Mais c'est un cauchemar, j'ai l'impression que cette nuit rien n'était renouvelé dans le matos. Oh, je me demande si c'est pas un bug. Je suis peut-être allé me coucher trop tôt à l'avance et ça fait. Ça empêche peut-être le renouvellement du matos dans les... Ah merde! Donc du coup, je serais condamné... Ah non, bah non, ventouse, il n'y avait pas de ventouse. Par contre, j'ai toujours pas de ruban adhésif, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Oh, de la terre. Merde, boum! Ruban adhésif! Ah! Enfin! Était temps. Alors. Hop, une affiche. Démon en plus. J'ai dû retourner le poster, c'est pas possible. Oh, c'est pas interdit l'affiche, disons, c'est pas en rouge. Ah, c'est sympa, donc je peux les stocker tel quel. Ok, ouais, il y avait un poster dans le magazine, c'est ça, j'ai dû arracher le truc et puis. Il y a vraiment pas de ruban adhésif, bordelum. Oh merde, il va me voir lui. Hop là, il n'a rien vu.
Je vais pouvoir chercher des fourchettes au réfectoire. De toute façon, ça va être l'heure du déjeuner. Et je vais pouvoir entamer le mur joyeusement. Alors, j'ai comme une envie de couvert. Je prends toutes les fourchettes. Allez, servez les plateaux repas que je bouffe. Merci. Vous avez vu cette magie du démon? Les plateaux repas qui apparaissent instantanément sur le comptoir? C'est terrible quand même. La 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 la. Je sens que ça va être une belle journée et qu'un mur va tomber dans ma cellule avant la tombée de la nuit. Wapapalapapalapa. C'est la période de taf, je crois. Merde, je vais devoir balancer toutes mes fourchettes, je sais pas où. Dans le couloir, cette pluie de fourchettes. Ah, ce boxon. Et les matons ramassent même pas, il faut du foot dedans en passant. C'est n'importe quoi. Cette prison, je finis franchement par m'y attacher, mais le but est quand même de m'évader. Je voudrais pas rester locataire perpétuel de ma cellule. Mince, oh là là, je fais des bêtises, j'appuie pas là où il faut. Au secours! Qu'est-ce qu'il y a, monsieur le maton? Vous êtes pas content, monsieur le maton? Vous voulez que je vous rhabille pour l'hiver, monsieur le maton? Ça tombe bien, vous êtes dans la laverie. Oh, non, monsieur le directeur, oh, vous faites l'honneur de me rendre visite? Trop gentil. C'est vrai, avant la veille de mon départ. Le mec, il bluffe. Oh, les vilains, regardez les matons, je ramasse les fourchettes des vilains détenus qui s'amusent à foutre le boxon. Je mérite un bon poids. C'est pas comme si c'est moi qui étais l'auteur du crime. Mon Dieu. Enfin, du délit. Du délit. Ouais, alors attends. Oh, ça peut être sympa. Ouais, c'est nul. Allez, bah non, je peux même pas le dessaper. J'ai pas de. T'as de la chance. J'entends bien qu'on aurait dû finir en slip. Alors, merde. Attendez. Mais comment ça, mon inventaire est plein? Mais, je veux faire usage de la fourchette, j'ai le droit quand même. Même pas. Mais c'est quoi ce merdier? C'est nouveau ça, je peux pas. C'est nul. Il va être 16h, ça va être. Non, ça va être la période libre après, je crois. Période de sport. Merde! Faut que j'y aille. Chut. Mais mon mur va péter. Non? Ah, on voit pas. Tant pis, c'est pas grave. Je suis déjà claqué. Ah, j'aurais dû passer par la salle de bain. Heureux, fun. Arrête-tu ça, Ferrenard? Qui devient méprisant? Pour la rime. Ouais. Ah, j'aimerais tellement avoir accès au local. Je peux le faire, je le sais. Non, je vais faire un peu de tapis de vitesse, histoire de tout entretenir. Histoire que je sois au taquet à 100% partout dans les stats. On y croit. Bon, oui, je suis claqué là. Bon, on va faire la causette au copain. Non, je veux pas casser la figure au maton Bob Morlock. Non, t'avais une requête, j'ai mal cliqué. Un mouchoir en soie, où est-ce que tu trouvais ça? Et toi, tu veux quoi? Non. Il vend quoi, lui? On sait jamais. Ouais, magazine, c'est rigolo. Bah non, j'en ai plein. Ah, je sais pas. Oh la vache, 300 dollars. Mes stats. Ah, la vitesse. J'ai perdu en vitesse. Je suis qu'à que 98%.
c'est l'heure du dîner. Vitesse! Vitesse au dîner! Je suis tellement rapide que je vais les rattraper. Non, je vais me faire engueuler. Allez, j'en fais distance 5, distance 5, distance 5. Au moins, hop, je me suis entretenu. Allez, vite, je vais me faire engueuler. Oh, l'autre, il est carrément dans la porte. Bravo. Bon, ils ont rien d'intéressant, les mecs. J'avais dit quoi, les quêtes? Quoi? Alors, un oreiller. Ah, ça sous-entend que je dois casser la figure à Bruce, en fait. C'est pas dans sa cellule, j'ai pas trouvé, donc... Alors que je pense pas que ça compte si je chipe l'oreiller de... Non, ça devrait pas compter, de son lit. Mouchoir en soie pour James. Bon, ça, je veux dire la quête là. Mais le mouchoir en soie, ça se trouve. À l'occasion. Je vais pas reprendre de fourchette parce qu'à mon avis, le mur va tomber dans peu de temps. C'est la période libre du soir, je crois, après, non? Avant l'appel. Oui, c'est à 22h l'appel. J'ai 2 heures pour préparer mon mur amovible. Attendez. Oui, il va tomber mon mur. C'est obligé, il va tomber. Il est où mon faux mur? Ouais, faux mur. Hop. Autant que je l'ai sur moi. Voilà! Ah, j'ai un vrai mur, merde. Non, 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 il faut le faux mur. Il faut le faux mur et il faut l'affiche. Non, je peux pas. Ah, je peux mettre l'affiche en guise de mur. Je crois, je sais plus. Le mur, qu'est-ce que je fais? Je le jette. Il faut que je les jette dans le chiotte de quelqu'un d'autre. Hop, il a rien vu. Hop là, un mur en moins. C'est génial, on jette les murs dans les chiottes maintenant. C'est une nouveauté. Coucou. Je suis nerveux. Oh là, ça va se voir, faut que je me calme. Vite, internet, intelligence, cerveau. Cette nuit, je devrais pouvoir... J'espère que je peux bouger mon mur à volonté. Attendez-moi. Ouais, je le bouge à volonté. Oh, c'est trop bien! C'est trop bien! Je vais rendre visite au bordel! Qu'est-ce que je fais? Je fais de nuit ou je fais maintenant? Non, j'aurai pas le temps, il faut que je fasse de nuit. Il faut que je fasse de nuit. Est-ce que je peux. Non, je peux pas gueuler un truc de matin. C'est beaucoup trop dangereux. L'idée que je me fasse passer pour un matin, c'est quand même tentant, quoi. Ah, j'ai tellement envie de. Non, on s'en fout. Là, ils vont me patater, mais. Évidemment, je sonne l'alarme. J'ai tout le monde sur moi, c'est obligé. Hop. Avec un peu de chance, ils vont pas me voir. Oh, c'est très culotté ce que je suis en train de faire. Ah, je vais me faire patater du soir, ça va pas. Ça va pas. Il faut que je mette la tenue de garde dans la salle de bain. Ils vont me patater, je m'en fous. Ah non. Non mais vous êtes sérieux les gars? Non. Pas moi. Ça va, je me fais pas fouiller. J'ai du bol. Oh, ruban adhésif, c'est intéressant. Tenue de garde. Putain, je l'avais pour pas cher en plus. Ah merde! Là, le concours de circonstances, le jeu qui me guac. Mais non, je peux pas le tabasser. Ah, à James, les crèmes pour les mains. Oui, je viens de faire la quête là. Non. Oh, les délicats. Crème pour les mains et mouchoir en soie. Oh, oh le raffinement. C'est honteux. Je vais prendre... Attendez.
pas que je me fasse avoir. Il faut pas que je me fasse avoir. D'ailleurs, j'aurai peut-être l'occasion de planquer mes objets interdits dans les murs. Attendez, il faut que je l'attende. Là, c'est pas possible. Je suis tellement proche du succès. Voilà. Je vais mettre le plastique fondu là et la clé là. Attendez. Il faudrait après que je me fasse... Je sais pas si les fourchettes valent le coup, mais... Attendez, je réfléchis. Ah, mais j'ai pas récupéré ma tenue de maton dans la salle de bain, là. Dans les douches. Merde, le con. Oh, qui est con. J'ai oublié de passer par la... Au petit matin, il y aura plus rien, je pense. Mais ça sent bon, ça sent bon. Je progresse dans, dans mes infractions. C'est horrible à dire, mais c'est vrai, en plus. Attendez, dans la douche, il n'y a pas la tenue de maton? Oui! Elle y est encore! Oui! Qui c'est qui va se faire fouiller? Qui? Je veux savoir. Pas moi, youpi! Oh! Bah, il va me dire que j'ai déjà tout, mais tant pis, je lui achète. C'est pour encourager le trafic de l'ordre de fabrication. Non, là, il a rien qui m'intéresse. Mais c'est vrai que le tournevis, ça peut être... Ah, ah merde, et puis il va dans, dans les cellules, l'autre. Ouais, mon journal de bricolage est complet. Bon, bah, j'ai plus à m'intéresser. C'est dingue, j'ai toutes les pages de... J'ai jamais cru. Non, j'ai un portique qui risque de sonner, moi, avec mon... Merde. Viens-moi ça. Je prends le risque de laisser ça dans les chiottes. Putain, j'ai un niveau élevé de me faire mater, ouais, on peut le dire. Et ils m'ont pas pataté les matons. Je sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir, mais ça tient du miracle. Je suis trop content d'avoir réussi à dérober une tenue de maton de... à l'arrache, quoi. Là, je trouve que ça tourne à mon avantage, là. Ou alors le jeu a pitié de moi. C'est la prison de la plus facile, je serais resté coffré un mois dedans quand même. Période libre. Non, il faut que je fasse de nuit mon truc. Je vais aller fouiller les trucs des copains. Ah bah oui, tiens, j'avais oublié les quêtes. Ah bah tiens, j'ai eu tout de suite la thune. C'est cool. Oh, je fais ça de manière désabusée, c'est triste quand même. Et, attends, j'ai... Oui, non, mais non, on a des fabrications. Juste pour foutre le bordel, je vais me dire... Merde. Ah! Mouchoir en soi. Oh là, il va y avoir des suspicions, là, le mec il a plein de notes de fabrication, c'est scandaleux. Il mijote quelque chose, le vilain. C'est Samuel. Oh, le maton qui passe pas au bon moment. Eh merde, il va me voir. Ah, il m'a vu! Oula, je suis pas dans le bon ordre. Danger. Nope. Il paraît que le chien de l'officier tu ne tiens de mort. Il est mûr du soleil. Je sais plus si que. Non, c'était mouchoir en soi, c'était pas la mort, on s'en fout la mort. Le zouk que j'aurais mis dans cette prison quand même. Bon,
Ouais, petit déj, j'ai rien contre. J'ai rien contre le petit déj. Va m'offrir un moment de réflexion alors que Julien, je sais pas qui se patate. Ah, c'est James qui a foutu une raclée à Julien. Mais pourquoi le maton reste sur le. Ah! Je lui donne un 10 sur 100. N'importe quoi. Cette nuit, j'enfile ma tenue de maton et je visite le local à utilitaire en pleine nuit. C'est obligé. Au moins, j'aurais fait mon objectif du jour. Il faut absolument que je découvre, et je crois que je n'ai jamais fait, de visiter un local d'utilitaire. C'est là où ça va être la déception, je me rends compte que le truc est complètement nul, ça va rien m'apporter. Mais bon, on aura essayé. Si j'arrive à conserver ma tenue de maton, après il faudra peut-être que je tente lors d'une autre session de jeu, au gros culot, de me barrer par la surface. Je me fais passer pour un maton, j'essaierai de rembourrer la tenue pour si on me tire dessus, au moins que j'ai de la résistance. Et bastaza, quoi que je me barre. Je vais m'entretenir un peu en tout là. Ouais. Mes stats, elles sont comment? Ouais, intelligence, c'est bon. Encore un petit coup, et puis ouais, je fais vitesse et intelligence. Et au moins, je suis au taquet le restant de l'après-midi. Oui, c'est un peu débile puisque ça va être la session sport. Attendez. Ouais, c'est pas grave. Je retournerai sur la force pendant la période de sport officielle. Ou on a une période de libre avant. Je sais plus. Ça fait bientôt un mois que je suis dans la prison et j'arrive même pas à retenir l'agenda du jour. Non, mais je suis nul, c'est une horreur. Là, je vais te défoncer. Je vais aller à la douche en fait durant la période de sport en fait. Ça y est, je suis claqué. Donc, je peux aller un peu à la douche. J'ai toutes les stats à fond. Quasiment. Ouais, bah je vais faire un peu de. Je vais faire un peu de sport. Ouais, ça fait du bien là où ça fait mal. C'est pas faux. C'est pas faux, les mecs. Oui, je suis trop fatigué. Oui, je vais. Oh! Le saligo, il a du ruban adhésif. Je peux le prendre ou. Oh, c'est bon. Je risque de me faire gauler, ça va pas. Faut que j'arrête mes âneries. Allez, douche. J'en ai besoin là. Je suis complètement KO. Merde, je me trompe, c'était une requête qu'il avait. J'ai toujours pas trouvé le mouchoir caillou. Comment je peux interagir pour les cadeaux? Alors, trouve-moi un objet crème pour les mains, je t'en voudrais volontiers, mec. Non, je tabasse pas. Non, je tabasse pas non plus. Non, je pourrais. Tu m'y fais penser, s'il te plaît, Fanfan. Si je zappe, la prochaine fois que je fais une deuxième prison, alors ce sera pas ce week-end. Je peux. Tu sais que je peux personnaliser les noms des prisonniers et des matons. Il faudrait me faire une piqûre de rappel, Docteur Boutique, je peux le balancer dans le jeu. L'intégrer, ce serait marrant. Si à l'occasion, tu me fais une piqûre de rappel, ouais, franchement, y a moyen. On rigole avec ça. Merci mon cher fan.
Il faut pas hésiter à me le rappeler, ouais. C'est valable. Oh, ça va être la grande nuit. La nuit de la visite des outils. Youhou! Je suis enthousiaste. J'ai un peu les jetons. Je commence à avoir un sinus qui me travaille. Oh, j'espère que je vais pas avoir les sinus en feu pour demain. Ah, avec un peu de chance, quand je vais prendre le fret tout à l'heure entre midi et deux pour faire ma petite course, ça va me nettoyer. Période libre du soir. Période libre. La période libre, d'ailleurs, je sais même pas quoi faire. Mouchoir en dessous. Crème pour les mains. Il y avait peut-être des crèmes pour les mains quelque part. Ne serait-ce qu'au sol déjà, parce que vous le bordel. Crème pour les mains pour. Ah bah voilà. Ah du j'ai vendu. Avant ça j'étais un arnaqueur. Ah bah c'est du joli. Pas mal à hein, mon garçon. C'est moche. Non 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 non, je vais pas patater toute une scène pour une table de chocolat. Mais toutes les requêtes c'est je tabasse quelqu'un pour arrêter. C'est quoi toi? Oh, tu vends quoi? Non, je m'en fous. Qui c'est qui voulait la crème pour les mains? Moi ce serait fait. Yannick. Il est où Yannick? Yannick! T'es où Yannick? Non, c'est Samuel, c'est Victor, mon dieu! Tellement de prisonniers. Yannick! Ah, Yannick! Yannick! Merci. T'as renouvelé tes offres? Ah oui. Oh! Est-ce que je me reprends une deuxième tenue de garde? Non, c'est ridicule. Si je me fais gauler, je vais me faire confisquer mes trucs, ça va pas. J'en ai une et je m'y tiens. Mais c'est bien de proposer. Alors, un petit peu d'internet. Faut s'entretenir sans cesse. Et tout top, tout top. Je vous êtes à 100% pour ce sourire. Pour ce sourire. Ce soir, je serai peut-être dans les couloirs. Ah, je suis motivé là. Ouh, la nuit va être belle, je vous le dis moi. Il faut juste espérer que je sois pas victime d'une fouille. Si j'ai une fouille, j'ai les. Hein, voilà. Ce sera tout sauf la glandouille. On va dire ça comme ça. D'ailleurs, je risque une fouille. Parce que ça fait un petit moment que j'ai pas eu d'inspection de ma cellule, moi. Peut-être pour. Ah bah non, mes objets interdits sont planqués dans le mur. Ha! Je suis embêté. Petit cul de bûcheux de vite. Journée, merde, je suis trop crevé. C'est pas grave, tant pis, on s'en fout. Il faut que je sache qui va être fouillé. Je sens que je vais être fouillé, je la sens pas. Va être fouillé. Non. C'est bien, pas moi. Mouchoir en soin, je crois, j'en ai pas. J'en ai pas, ce sera une autre fois. Oui, j'ai la classe, je sais. Je sculpte mon corps. Et mon cerveau. Oh là 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 là. Mais hey, c'est le choix des débutants, ça, de proposer autant de notes de fabrication. Bon, allez vous faire poutre. Moi, je vais aller. Non, tu m'as pas vu. Il ne m'a pas vu. Ah ah ah, j'ai le grand choix. J'ai le grand choix de la fouille. Vous allez voir, je vais revenir avec plein de trucs dans les poches et j'aurai pas de place pour ranger mon merdier. Que ça m'étonnerait pour eux. D'ailleurs, je vais peut-être même honteusement foutre le bordel dans le couloir, enfin dans l'interstice des murs là. Ouais, les objets que je me sers pas habituellement. Attendez. Les clous. Tiens, je vais dissuader l'idée de venir me rendre visite. Je sème les clous au sol de ma cellule. C'est dégueulasse. Attendez. Non, je vais rien fabriquer. Tu m'étonnes que rien ne se passe. J'ai rien pris.
Comment on fait un mannequin? Je crois que c'est très con. Qui soupçonne pas deux oreillers et un drap. Merde! Il me manque un oreiller. Merde, merde, merde. Tant pis. Tant pis, tant pis. Attendez, je prends le risque. Rien que ça, déjà, c'est excellent. Je suis dans ma cellule. Je souffre d'insomnie, monsieur l'agent. On la tente. Allez, on la tente. Allez. Merde, il passe. Je veux la tenter. Je veux la tenter. Je veux la tenter. Mais merde! Merci. Tenue, 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 tenue. Je suis un maton. Que c'est bon d'être un maton. Je suis un maton. Et je vais vous mater. Comment ça, ça marche pas? Non! C'est pas la bonne clé! Mais non! Mais c'est pas la bonne clé! Mais c'est pas possible! Mais non, mais merde, les matons soupçonnent pourquoi je suis pas à ma place, voyez. Le quota de matonnage est en train de monter là. Merde. Merde. C'est pas la bonne clé. Merde, ma clé est vite. Oh, il va voir que j'ai un truc. Oh, il a rien vu. Ouh, j'ai chaud. Merde. Ah, oh, je suis dégoûté. Non. Oh, ce jeu! Ça marche pas, mon truc, je suis dégoûté. Mais c'est quoi la clé utilitaire? Je suis deg. Même ça, c'est un échec. Oh! Ah! Oh, je vais en faire des cauchemars toutes les nuits. Merde, mes clous! J'ai oublié de retirer les clous. Oh, ce boxon! Ce boxon de l'infini, vous mériterez que je vide toutes les chiottes de toutes les cellules. Je vais peut-être le faire pour me venger, na. Tu proposes quoi, toi? Ouais. Ouais, de bon gars, ouais, de bon gars, ouais. Puis c'est moi qui vont fouiller, évidemment. Non, ah non. Non, je parle mal, mais effectivement, j'ai la paix. Bon, bah ça me va. Bon, allez, oui, on a tous progressé, même moi, je sais. Un petit mouchoir de soie, histoire de me faire un peu de la thune en l'eau. Bah, merci, voilà. J'ai mon lot de consolation. Du coup, je vais fouiller au pifomètre au bonheur de la chance, mais il n'y a plus rien qui me motive là. Non, mais il faut que je repère le. C'était qui le. Oui, je devrais pas être là, je sais. C'était qui le. James. Mademoiselle James. Ta 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 la la. James. Ah ah, tu me dois 19$. Oh, j'ai quasiment 400, c'est énorme. 400$. Ah. Revenez dans quelques années, j'achète la prison. Tellement que j'aurai de thunes. Non, sérieusement, là, le jeu est en train de me retourner le cerveau. À quoi correspond la clé que j'ai ramassée? C'est pas possible. Ça me rend fou, là. J'étais persuadé que c'était la clé qui correspondait à la couleur de la serrure du cadenas. Je suis dégoûté. Période libre, il faut que je revisite, là, ça va pas. Ah, c'est pas ça, le... Mais non. Mais non, c'est débile. Ça peut pas être la clé de ça. Merde, homme. J'ai pas de meilleure vue. Non, puis quand tu cliques sur les... Ça dit rien. Mais c'est une clé orange que j'ai. Clé utilitaire. Ça correspond à ça, non? Je me suis lamentablement planté. C'est pas ça. Non, ça doit correspondre aux couleurs des cellules. C'est pas possible. Couleur du cadenas.
utilitaire. Ça, c'est l'isolement. Non, c'est l'infirmerie en plus, je me plante. Ça, c'est le quartier des visites, je crois. Non, même pas, c'est le bureau annexe. Merde. Ah, mais c'est incroyable. Ah, j'ai l'air ridicule. J'en suis presque vexé, là. Déjeuner. Ah, je suis un piètre... joueur de The Escapist, là. Oh là 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 là, je suis nullissime. Merde, à quoi elle me sert, ma clé? Ou alors, faut que je patate un bâton, que je fasse un moule de sa clé. Je recommence la fabrique de clés? À un moment, j'avais quasiment toutes les clés, hein, avant de me faire gauler. Si j'arrive à foutre ça dans le mur, ça m'ouvre des perspectives sympas, quoi. Et j'ai tenu de maton. Je peux me faire passer pour un maton. Est-ce que je tenterais pas de rembourrer la... Merde, c'est l'heure du travail. De rembourrer ma tenue de maton, parce que je sens que je vais me faire dégommer. Tellement de possibilités. Ça me rend fou. Oula. Et puis je vous cacherai pas que j'enverrai vraiment l'antenne dès midi parce que j'ai des intestins qui commencent à me travailler. Je vais, comme qui dirait, siéger sur le trône. Excusez-moi du peu. C'est pas plus mal que j'enlève l'antenne d'ici un quart d'heure. J'enchaînerai avec ma petite sortie dehors, ce sera bien. Je me retrouverai à partir de 14h pour Lara Croft. Ce sera cool. Oh, on va continuer l'Egypte. Oui, non, j'ai déjà fait. Ah, je deviens tout fou. Je ne sais plus. Je sais plus comment faire. Tiens, j'avais dit que je faisais mon vilain. Faire les chasses d'Ona. Et lui, il est tranquille, l'autre. Il y a plein de notes de fabrication dans sa cellule. Il Ah oui, tiens, vas-y voir que je me fasse un mannequin de présence. Attendez. C'était ça, je crois. Ouais, mannequin pour lit, c'est interdit. Tu m'étonnes. Oh, les briquets, je peux les ranger, non? Ouais, ouais. Ouais, bon, le drap... C'est rigolo comment je fous le dawa. J'ai foulé dawa, daddy daddy douda. J'ai foulé dawa, ça me plaît tout ça. Voilà. Il est marrant, lui, celui qui vient de me croiser. Il a de l'humour, c'est bien, il en faut dans la vie. Allez hop, mannequin pour plein dans la cour d'appel, rien à péter. La dissidence absolue. Période de sport. Tapis de course. Ah, je suis deg. Donc il faudrait que je prenne des fourchettes, que je continue de creuser. Ce qui voudrait dire que je continue à préparer un deuxième faux mur. Non mais c'est impossible, je vais me faire gauler par les matons, ça sert à rien. Il faut que je garde mon truc dans l'état actuel comme une planque. Une planque à objet interdit. Oh là 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 là. Comment je peux faire? Merde, j'aurais dû varier les plaisirs, j'ai tout fait dans le sprint moi. Ouais, force intelligence, soit peut-être que je varie un peu. Attendez, lui, il y a une faveur que j'ai... Ah non, j'ai plus de faveur, moi j'ai tout fait. Excusez-moi. Je suis pas tout bêche. Oh, il m'a pas vu le maton. Quel idiot. Je suis pas censé retourner à la salle de sport. C'est pas plus mal. Je vais faire ma muscu et derrière ça, je vais faire l'internet. Oh là, il y a une porte sur deux qui a été claquée dans la salle de sport. Eh bah dis donc.
C'est l'heure du dîner. La 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 les. Sortie de table, j'ai sur internet ouillé. Ah, ma bouffe. Code rouge. Eh ben voilà. Le code rouge a été exécuté. Patatage en règle entre Michael et Fernand. Pardon. Ouais, je vais aller faire de l'internet. Histoire d'avoir les stats au max. Oh, j'ai grillé de 3 minutes à peine la session de dîner et l'autre il me fait des représailles. C'est abusé, monsieur l'agent. Alors je dis interneto bêtement parce que c'est comme ça que les japonais disent internet. Ils mettent un O à la fin. Interneto. Mais ce que je préfère, c'est entendre une japonaise parler de chocolat fin. Et vous l'entendrez dire chocoletto. J'adore. Ça me fait dire à chaque fois. Bonjour Papemri Pop, comment ça va? Alors que je t'avouerai que je fais un relais de chaîne d'ici 10 minutes, un quart d'heure là. Bon, je vais avoir les stats à fond, en plus je suis claqué, faut que j'arrête mes âneries moi. Tiens, je vais aller à la douche en attendant, histoire de récupérer. Oh, il y en a qui se patate. Bon, et eh ben je me sens idiot là à tourner en rond parce que du coup j'ai plus de. Préparer du mastic pour faire les clés. Ça veut dire que je vais patater à la au prochain épisode. Je vais patater un bâton. Pour récupérer sa clé et en faire un moule rapide. Ah, il me faut du plastique fondu. Briquet et je sais plus c'est quoi le plastique fondu. Et le plastique fondu, on l'obtient en cramant des peignes. Ah oui, c'est des peignes. Talc et dentifrice et peignes. Talc et dentifrice et peignes. J'ai vraiment les stats à fond, c'est la classe. Talc, dentifrice. Talc et dentifrice. Putain, si je peux en récupérer un max. Talc, dentifrice. Mais il me manque plus que deux talcs et je suis pas aux as. Pour faire mon mastic. Et mon plastique fondu. Ouais, le talc, c'est pas courant. Ça va être l'appel du soir, fais l'œuf et la poule. Bonjour Dragon Sky, j'espère que tu vas bien aussi. Ah, du talc. Ça fait plaisir. Samuel, je crois pas que tu as du talc. Merde, je sens que je vais avoir droit à la visite d'inspection et je vais être dans la mouise. Je la sens pas du tout là. J'aime bien, je vais bricoler devant eux. Le truc interdit. Voilà, mastic interdit. Hop là. Vous n'avez rien vu, les mecs. Ah non. Je suis toujours pas fouillé, mais j'ai une chance insolente. Ça va pas durer, c'est pas possible. Oh, ah, ouh. Non, c'est pas pour moi. Personne ne vend de talc? Ah merde, j'ai qu'un vendeur. J'ai qu'un mec avec un petit sac sur la tête. Bon, excusez-moi, mais moi je vais dans ma cellule. Hein. Je vais pas m'éterniser à ce qu'il me raconte une comptine. Plastique fondu, plastique fondu. Il
faut que je fasse du plastique fondu, les gars. Même si j'ai du talc. Oh là là, je peux faire beaucoup de trucs. Je peux faire beaucoup de trucs, vite. Je peux faire beaucoup de combinaisons interdites. Ouh là là, merde, pardon. Dentifrice talc. Oh, mais c'est un festival. C'est un festival. Attendez, le mastic, je le pose. Vite. Talc dentifrice, je refais du mastic. Talc dentifrice, je refais du mastic. Oh, wow, la contrebande. Deux plastiques fondus, trois mastics. Ah, oh, c'est extraordinaire. C'est extraordinairement... merde, ils vont passer devant les cellules. Mon faux mur... En plus, j'ai même le mannequin pour lui. Putain, j'ai la totale. merde, verrouiller les cellules, que les matons passent pas. Je vais même plus avoir de place dans mon interstice. Là, il m'a 5 cases, c'est juste ce qu'il me faut. Alors, il faut pas que les matons passent. Pas que les matons passent. Il faut pas que les matons passent. Il faut pas. Oui! Oh oui! Eh, énorme! Énorme! Il faudra, je sais pas quand, que je patate un gardien, que je récupère sa clé. Mais je sais plus à qui j'ai pris la clé utilitaire. Merde! Je risque de patater le même gardien et de faire chou blanc. Je suis épuisé, nous dit Dragon Sky, par ma marche en ville. Je mange au McDo et également après un petit ciné. Mais c'est un programme royal, Dragon Sky, t'as bien raison. Bon week-end à toi. Ah, je fais mon petit indiscret, si ça te dérange pas. Tu vas aller voir quoi dans la salle obscure? Rio. Oui, c'est la pause déjeuner dans 5 minutes en plus. Ah, qu'est-ce que tu vas mater dans la salle obscure? Tu vas aller voir l'avion de chasse là avec... Top Gun. Sandwich et gâteau. Eh ben bonne app. Bonne app par avance à tout le monde. T'as bien raison, cousin. Un bon sandwich. Je sais pas ce que je vais me mettre sous la dent à midi. J'ai pas réfléchi. Ah, festival à 4 euros. Tranquille. T'as bien raison, Dragon Sky. Alors là, franchement. Ah ouais, bon cinoche et bon déjeuner à toi. Ah, le fameux Jurassic. Ouais. Tiens, d'ailleurs, normalement, il y a Fred et Seb, joueurs du grenier, qui vont faire la critique. Il y a Fred qui allait le voir mercredi soir. Non, mercredi, parce que mercredi soir, il était en ligne, Fred. Il va faire la critique, surtout que c'est un fan des dinos, là. Il a vu 50 fois le film Jurassic Park. Cet homme est fou. Oui, un aveille, pareil, ouais. Il paraît que le casting est celui d'origine du premier. Donc ils ont mis la main au portefeuille, mais le scénario sonne creux. Mais voilà. Mais moi ça m'intéresse pas. De toute façon je suis plus du tout cinoche. Bon bah extinction des feux, je crois que je vais m'arrêter là. Je vais faire un relais de chaîne parce que là je commence à être nerveusement à me retenir. J'ai envie d'aller aux toilettes. Donc je sens que je vais vous faire un truc express. Voilà, j'ai sauvegardé en passant la nuit. On quitte. Franchement je commence à avoir mal aux intestins là. Il faut pas que je me force davantage. Je vous mets ma tronche en plein écran. Ouais, la souffrance de se tenir le bide. Je commence à avoir mal. Sans déconner, je commence à avoir mal. Merci à vous toutes et toutes d'avoir été là. Je vais regarder chez qui je vais vous faire un relais de chaîne. Oh, il y a Miss Mzel Weneda. Elle est adorable. Voilà, tac. Elle a que 10 spectateurs. Elle joue à Ark. Elle fait des dinos, justement. C'est un jeu de dino Ark. Elle est adorable, Weneda. Avec un peu de chance, elle ne va pas tout de suite se mettre dans la pause déjeuner. Mais au moins pour la découverte, ceux qui connaissent pas Mademoiselle Weneda, elle est adorable, la demoiselle. Elle joue quand elle peut, en journée, le matin, comme l'après-midi ou le soir. Ça dépend, mais évidemment de ses disponibilités. Merci, bonne app tout le monde, bisous, prenez soin de vous. Je vais foncer aux toilettes une fois que je vais couper mon signal dans une minute. Et je ferai coucou à Winada après. Puis je filerai faire ma course, je déjeunerai aussi. Je sais pas dans quel ordre. Allez, bisous tout plein. Je vous dis à tout à l'heure, à partir de 14h, on se retrouve en Égypte avec Lara Croft, Tomb Raider 4. Je suis à fond dedans en plus, j'essaie de déchiffrer les hiéroglyphes, c'est génial. Allez, bisous, à plus, ciao, merci.
Le raid s'est fait ou pas? C'est bon, ça c'est fait. Merci les anonymes qui regardent. J'ai vraiment mal au bide. Au secours, au secours, au secours. Il faut que je coupe. Ah, faut que je fonce sur le trône. Bisous, ciao. Ah oui, ça fait mal. Ah, au secours.